Bonjour, je me présente, je m'appelle Nelson Django Bébé, j'ai 21 ans, j'ai fait garde à vous et c'est pour ma chaîne étudiante. C'était la première épreuve qu'on a faite et c'était une épreuve collective en fait. Et comme on a gagné, moi en fait j'écoutais une musique de base, une musique américaine, et j'ai décidé de la mettre en cri de guerre. Ce qui fait que on savait qu'on avait gagné d'avance l'épreuve. Donc sur la route on chantait, on chantait, on chantait, et on est arrivé, on a vu qu'on était premier. Et c'était magnifique comme moment, franchement, on se sentait trop fort. C'est quand j'avais arraché la capuche du chef, mais que je pensais bien faire, et en fait que non. Et ce qui fait qu'arrivé au moment où on devait faire l'avant-dernière épreuve, il a mal pris le truc et ça s'est un peu embrouillé, il m'a mal parlé, je lui ai mal parlé. Et voilà, après, ils m'ont demandé de ne pas faire l'épreuve. Je suis rentré à la caserne. Et donc, les chefs ont décidé que c'était fini pour moi l'aventure, 2 jours avant. Et donc, ça fait, j'ai accepté. J'ai dit que si ça tenait qu'à moi, j'allais rester. Mais bon, c'était leur choix. Et donc, voilà, c'était mon pire moment, vu que je quittais mes copains, mes frères d'armes, tout ça. Donc, voilà. Bon, bah, on va pas se mentir, déjà, une notoriété. Ensuite, un peu d'argent. Moi, ça m'a fait payer mes amendes. Mes amendes de train que j'avais eu avant. Ensuite, sinon, bah non, franchement, ça m'a apporté du positif. Que ça soit dans le milieu professionnel. Là, cette année, j'ai participé au Modèle Élégance Normandie 2016. Bon, j'ai pas gagné parce que, vas-y, ils avaient un problème avec moi. Mais sinon, je devais être premier. Après, sinon, ça m'a apporté du positif. Franchement, tout le monde était plus ou moins fier. Même les gens que je connaissais pas, ils me disaient c'est bien, t'es resté toi-même, tout ça, t'as pas joué de rôle. Et c'est le principal. Après, le reste, on verra par la suite, hein. Une autre réalité, oui, bien sûr, avec plaisir. Si, peu importe le thème, moi, de toute façon, j'ai toujours aimé ce monde-là, un peu plus ou moins, même si ce soit à la télé, je veux dire, de ma chambre. Mais à partir du moment où j'ai fait garde à vous, même si ça n'a rien à voir avec la villa ou les anges, etc. Je vois à peu près comment ça fonctionne et franchement, moi, ça me plairait beaucoup d'en faire d'autres. Après, à voir, je veux dire, selon le thème. Là, on m'a de base, j'avais fait le casting pour Les Princes de l'Amour 4, mais pour X raisons, ça s'est pas fait. Je devais aller dans les atypiques en plus. Et puis, sinon, après, il y avait la directrice de Friendstrip, mais pareil, ça s'est pas fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà pris quelqu'un, mais qu'elle n'était pas au courant. Donc voilà, moi, entre deux, bah, j'ai fait ma vie, je veux dire professionnel, je suis vendeur de base. Et voilà, mais dès qu'on me propose un autre truc, moi je suis là, il n'y a pas de problème.